Salle 5, Alfred Beau, l'accès au monde artistique 1873. Alfred Beau arrive à Quimper et avec lui commence une période particulièrement riche. Celle-ci débutera par la création du service botanique. Puis viendront les scènes bretonnes, probablement un hommage du peintre à son beau-père Émile Sauvestre. À travers les productions de l'artiste, deux éléments se dégagent. Tout d'abord, bien sûr, un élément de création, de renouvellement total du style de la production. Force est de constater que le travail s'apparente à de l'aquarelle et de quelle qualité. Et c'est là que se situe le deuxième élément. Alfred Beau se caractérise par la qualité technique de ses réalisations qui laisse présumer qu'il est arrivé à Quimper avec une forte expérience céramique. Un tableau sur faïence du Morlaisien Michel Bouquet est peut-être un élément de réponse. Alfred Beau est aussi un initiateur. C'est ce que l'on peut constater à travers les quelques pièces du service de mariage de Jules Henriot que réalisera Camille Moreau, peintre transfuge de la manufacture Portier.